Oui, mais qui est fragile des poumons? Qui va payer les pots cassés? Mais c'est mon père, non, vraiment, bravo. Ah, bah alors là, docteur, j'ai qu'un mot à vous dire, bravo, bravo. Merci. Et que me vaut l'honneur de ces félicitations? Non, mais bravo à vous, à vos équipes, à toute la France médicale. Je transmettrai. Cela fera très plaisir à toute la France médicale. Enfin, vous vous rendez compte que la France est toujours la championne d'Europe de la résistance aux antibiotiques? C'est une honte. Oui, mais... Et en particulier, et c'est un article de Mieux Vivre de ce mois-ci, résistance aux antibiotiques, en particulier pour le pneumocoque. Voilà, effectivement, oui. Oui, mais qui est fragile des poumons? Qui va payer les pots cassés? Mais c'est mon père, non, vraiment, bravo. Et vous avez raison. Bravo. Bravo à toute la France médicale qui s'est considérablement et continuellement améliorée sur ce point depuis 2000. Oui, peut-être, mais... Bravo à notre EHPAD qui a élaboré un guide d'antibiothérapie afin de prendre en compte les recommandations et l'état de résistance en France et dans notre établissement. Ah, je ne savais pas que... Et bravo à toute l'équipe d'ICI qui a réalisé une auto-évaluation de ses pratiques et défini une politique de bon usage des antibiotiques. Ah oui. C'est donc avec plaisir que je transmettrai vos bravos à tout le personnel et plus particulièrement à la commission de coordination gériatrique qui sera, j'en suis persuadé, ravie de recevoir vos félicitations. Bah, docteur, ne le prenez pas mal. Hein. Non, mais je le prends très bien. Vous avez un papa très sympathique et je comprends parfaitement que vous soyez extrêmement vigilant. Ah, vous comprenez. Mmh. Oui. Et nous le sommes aussi, vigilants. Ah oui, bien sûr. Oui. Merci, docteur. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir.